بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commençons une nouvelle section, Kitab al-Istighfar, un parmi les dernières sections dans nos livres, le livre de l'Istighfar. Istighfar, comme on connaît, c'est demande Allah pardon, demande-lui qu'il lui pardonne nos bons péchés, grands péchés ou petits péchés. Alors, istighfar, c'est un affaire extrêmement important dans nos bons amal, nous besoin inclure lui partout, dans tout moment. C'est un affaire qui nous fait, pas seulement quand nous finissons faire péché, bon, tout le temps, nous restons en péché même et nous demandons nos besoin qui Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne nous. Mais istighfar, c'est une quelque chose qui, quand nous fait, lui amène énormément bienfait et lui protège-nous, les préserve-nous depuis ben problèmes, depuis ben calamités, et en même temps les fait nous rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous trouvez qu'il y a un prophète aussi alayhi wa sallam et Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lui aussi il finit faire istighfar malgré qu'il lit, malgré qu'il autres ben prophète jamais de faire péché. Alors istighfar, donc tout le temps nous vous mettre dans nous la tête, c'est un affaire qui est extrêmement important, qui jamais faut des nous négliger. Et dans certains quelque chose comme ça ben parmi ben wazaif من وظيفة برمي من أوراد إن كلمة لا إله إلا الله إن درود شريف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برمي لدن إن من تسبيح سبحان الله الحمد لله الله أكبر إن الباقيات الصالحات برمي لدن إن الاستغفار. Donc ça c'est une quelque chose là, nous besoin et un certain nombre de fois qui nous fait aller tous les jours et nous besoin essayer là. Vous trouvez qui quand man jivon je rentre dans man tariqa. Par exemple, je fais baya avec un chef. Je gagne un certain nombre de ban aurad que je fais. Et parmi là-dedans, il y a istighfar, il y a la ilaha illallah, il y a darud, il y a tilawat Quran, un certain nombre, ainsi de suite. Donc, parmi là-dedans, il y a istighfar, il y a un affaire important. Même si un jimoun, aujourd'hui, il n'est pas encore, il n'est pas dans un tariq, par exemple, il n'est pas dans un chef. Donc, il fait un effort, il dit comme ça, ok. Tous les jours, moi, pour faire 100 istighfar, ou soit 200, ou soit 300. Il est capable de faire lien de façon que tu augmentes après. Il vient mettre l'habitude. Et il inclut istighfar un certain nombre de fois minimum dans sur la vie, dans ce travail quotidien. Alors, beaucoup ayat Quran qui causent l'eau là. Imam al-Nawawi, l'auteur, rahmatullahi alayhi, li cite quelques-uns là-dedans. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wastaghfir li dhambik, et fait istighfar pour ton péché. Il dit aussi واستغفر الله et demande Allah istighfar, demande Allah pardon. Inna Allah kana ghafurar rahim, Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps les ghafour, ça veut dire tout le temps les reste pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps les reste pardonné. Banda pour faire péché, Allah pour pardonner. Banda pour refaire péché, Allah pour repardonner. Il peut aller même comme ça jusqu'à qu'il meure. Un banda il pour continuer faire péché, il pour continuer demande Allah pardon, Allah pour continuer pardonner. Et comme nous connaît Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, montrez-nous qui pas arrête de demander pardon. Quand même, quand c'est péché, ou fait, continue de demander pardon. Fait une façon qui shaitan découragé. Ou c'est mal jamais ou découragé. Alors, inna Allah kana ghafour al-rahima. Allah tout le temps les ghafour, tout le temps les pardonner. Rahiman, et tout le temps il y a miséricorde, il y a sur rahmat. Donc, tout le temps nous demandons Allah sur pardon et nous demandons lui sur rahmat, pas sur rahmat qu'il y pardonne nous. L'eau, la terre, avant l'amour, pour qu'il nous purifie et même yaoum al-qiyama, il pardonne nous par sa rahmat, nous fier sur sa rahmat là pour nous gagner le salut. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah qui nous habite idha ja'a nasrullahi wal fath, Allah dit fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Alors fais tasbih de ton Rabb et fais istighfar. Fais tasbih de ton Rabb et fais istighfar. إنه كان توابا certainement Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps li accepter repentir et accepter tauba de ban qui fait tauba. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous trouvons qui comme a rapporté dans hadith li parmi ce ban dernier jour tout le temps li peut augmente quantité ça quelque chose là parce que ça sura là li fin descend parmi ban dernier li fin révélé parmi ban dernier comment dire c'est ainsi. Rasulullah sallam dit c'est un signe qui, quand il gagne ce signe-là, l'Allah me fait Allah se tasbih plus beaucoup, istighfar plus beaucoup. Ce signe-là, c'est Idha ja'a nasrullahi wal fath. Qui veut dire ça? Quand Idha ja'a, quand vient
Nasrullah, Allah solide, ou al-Fatih et la victoire. Et al-Fatih, nous capables de comprendre, c'est Fatihu Makkah, la conquête de Makkah. Ou sa révélation, sa surah là. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je peux faire istighfar beaucoup. Alors, comme Sayyidatuna Aisha radiallahu anha, les je peux dire, Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Subhanallah, louange à Allah, pureté à Allah, on nous a expliqué plusieurs fois, Subhanallah qui veut dire, wa bihamdihi, et louange à Allah, tout louange pour Allah. Astaghfirullah, moi fais istighfar, moi dis à Allah qu'il pardonne moi, wa atubu ilayhi, et moi retourne vers lui, moi fais tauba vers lui. Istighfar et tauba, une indifférence technique, c'est qu'istighfar, il pour un petit péché. Généralement, tauba, il pour un grand péché, mais généralement, istighfar, il est capable aussi de dire pour petit péché, pour grand péché. Dans le verbe istighfar, istighfara veut dire diman Allah qui lui pardonne nous, et taaba yatoubu, taouba veut dire retourne vers Allah. Ça veut dire quand un djimoun fait un péché, il finit loin de lui depuis Allah. Donc quand il fait taouba, il retourne vers Allah, il diman que Allah pardonne lui et accepte lui parmi ban salihin. Un affaire important nous besoin mentionner. On déjà expliqué plusieurs fois, mais les bons nous réexpliquent encore parce qu'il y a beaucoup de djimoun d'autres mal comprend. Et là, quand on fait la traduction, je te mal traduire. Il y a un affaire important dans l'Aqida. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire « Wastaghfir li dhanbik » Diman pardon pour ton péché. Il peut adresser à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. « Wastaghfir Allah » Diman Allah pardon. S'il met « Wastaghfir li dhanbik » pour ton péché. Est-ce qu'il nous besoin de traduire qui, on va dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait péché? Non, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas fait péché. Ni petit péché, ni grand péché. Il y a important ça dans l'Aqida ça. Mais qui veut dire ça? Diman pardon pour ton péché. Alors, Manoulama explique-nous qui, ici, il est capable de dire, demande pardon pour Ummat sur mon péché. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit pardon pour nous, nous, mon péché. En même temps, istaghfir li dhanbika, c'est un amr qui Ummat bien exécuté. Comment dire? D'une façon qu'on prend lui, dis avec ton Ummat qui je demande pardon pour ton mon péché. Ça, c'est une façon qui nous comprend lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui va vous faire péché. Après, il y a ça, l'autre principe qui plusieurs fois m'ont expliqué, il va nous comprendre. Hasanatul abrar, sayyatul muqarrabin. Ban abrar, ban bon djimon, ce qu'ils trouvent comme hasanat, ban bon action, ou ban muqarrabin, pour ban qui proche avec Allah, ça même sa hasanat là, il est capable d'une sayyat. Il est capable de considérer comme un sayyat. Nous, ce qui nous peut faire comme bon action là, et là, je suis bien proche avec Allah. Je peux guetter ça, je peux trouver ça comme une mauvaise action pour vous qui faire. Ce n'est pas une mauvaise action, mais en comparaison avec ce qu'ils ont fait. Qualité, grade de ce qu'ils ont fait, qui est extraordinaire. Quand je peux guetter nous, ban hasanat, si je t'en ai pour quitter ce qu'ils ont fait, pour descendre, pour faire nous, nous, ban hasanat, je peux considérer ça comme un péché. À cause de ça, quand nous vous trouvez à l'air, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait istighfar 100 fois, 70 fois par jour. Mais pour qui ça fait, il fait istighfar, il n'est pas fait péché. Une des bonnes façons, nous comprenons ça, c'est ça. C'est qu'il y a un moment, quand il est engagé avec ce ban, avec Dunya, par exemple, il y a une négociation pour faire, il y a une famille pour les guetter. Il est déjà bien bon même là. Mais seulement, il n'est pas dans sa présence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa dhikrullah, dans sa qualité, proximité avec Allah là, parce qu'il vient un petit peu dans Dunya. Alors, sa faïz là, sa grade là, fin de sa nantigine. Il est encore toujours bien haute là, mais seulement pour lui, il s'est senti qu'il, comment dire, il y en a pour retourner. Alors, tout à l'heure, Inch'Allah, nous pouvons être dans l'ayat Coran. Alors, l'ayat Coran continue. Allah subhanahu wa ta'ala dit لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ. Pour les gens qui font taqwa, taqwa nous expliquer ce qui veut dire, auprès de notre robe, alors vous êtes dans le jardin, jannat. Jannat, c'est pluriel de jannat. Il y a les mêmes jusqu'à وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. Alors, l'ayat Coran là, complète comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ. Dit, est-ce qu'il je te parle, moi, informe, je te demande quelque chose qui est plus bon que ça. Alors avant ça, dans surah Ali Imran, Allah lui mentionne زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ فِنَعْبَلِيَ بُبَنْزِمُونَ dans dunya, حُبُّ الشَّهَوَاتِ l'amour de ban passion de ban quelque chose qui fait je te plaisir مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ parmi et ban madame et na ban enfants et na la famille et na ban bien ban richesse et na ban cheval mentionne ban affaires dans dunya là après ça le ayat Allah subhanahu wa ta'ala dit est-ce que je te parler moi informe je te qui plus bon que ça lil ladina taqaw inda rabbihim pour ban jimun qui montre taqwa pour je te rob et na jannat et na ban
جاردان تجري من تحتها الأنهار لدوام بسائنا بان لغيفيك يالي خالدين فيها زد بو اتنال لدوام وأزواج مطهرة زد بو غيما نبوز كي بيغيفيه كي بيغ ورضوان من الله يعني ساتسفاكشن لبي الله ساسي بي غان كادو الله سو ساتسفاكشن والله بصير بالعباد الله لي تروف تري بيان لي او كوران دو تو بان كيكسوز لي تروف تو سكي سو بان بان دافع الذين العباد كسنلا الذين يقولون بنجمون كجيا ربنا اون رب اننا امننا ستنمون فينا من ايمان فاغفر لنا ذنوبنا الو بول نونو بان بيشي وقنا عذاب النار اي بريزيرف نو ديبي بينيسيون دو ديفي لانفير ربنا اننا امننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار كسنلا الصابرين بانجيمون كينا صبر كيفيا باسيونس والصادقين بان كي ريسلو لا فيريتي والقانتين بانجيمون كي دروات كي جوست والمنفقين بانجيمون كي سي كي الله فين دون زوت جو ديبونس سا في سبيل الله تو في صدقه بار اكزومبل والمستغفرين بالاسحار اي بانجيمون كي في استغفار بالاسحار ودي دون اسحار سي ان مومون سا سي لو مومون سي سحر سو سينغولير سي سحر Et ce pluriel, c'est ashar. Ça même qui nous dit sahri. Ça manger qui nous mangeait ce moment-là, appelle-le sahri. Sahri. C'est l'aube. Ça veut dire dans Subh al-Sadiq, quand la nuit peut finir, la fajr peut commencer. Ce moment-là, Allah, donc, fin fait éloge, ben, dis-moi qui fait istighfar ce moment-là. Les bons, ce moment-là, fait istighfar. Donc, dans dernier partie, la nuit. Et il y a certains ulama mentionnés dans Namaz Fajr. Ça veut dire. Tout de suite après Namaz Fajr, ou soit avant ou soit après Namaz Fajr. Donc, après Namaz, déjà, nous vous avons fait istighfar, comme on l'a recommandé. Astaghfirullah al-Azim, alladhi la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum, wa atubu ilayhi. Au moins trois fois, nous l'y allons. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait l'eau, c'est un djimoun qui fait istighfar à ce moment-là. Et bien, nous l'avons dit, nous qui istighfar, accepter ce moment-là. Ben, le Coran continue, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa man ya'mal su'an, aw yadhlim nafsahu. C'est lui qui finit faire une mauvaise action. Ou soit qui finit faire l'injustice envers lui-même. L'injustice envers lui-même veut dire faire péché. Quand il fait péché, il fait injustice envers lui-même. Thumma yastaghfirillah. Après ça, il fait istighfar. Il dit à Allah qu'il lui pardonne. Yajidillah ghafoura rahima. Il trouve Allah, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pardonnez. Il trouve Allah ghafouran. Comment? Tout le temps, c'est lui qui pardonnait. Rahima. Tout le temps, c'est lui qui montrait miséricorde. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى dans l'autre ayat وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون allo ayat Qur'an وما كان الله معذبهم وانت فيهم Allah pas pour avoir punition les autres pas pour punir les autres allo qui toi toi parmi les autres Allah peut adresser à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donc pas pour une punition qui peut descendre quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mis Et après ça, l'autre ayat, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ » Et Allah, pas pour punir eux, jamais, alors qu'ils ont encore, ils ont fait istighfar. Donc, aussi longtemps qu'il y a un peuple qui fait istighfar, Allah, sa punition, pas pour venir aux autres. Et là, ça va être un nuzul, un djimoun dans Makkah qui s'y fait, un bon affaire qui mérite punition, il est là, ils ont fait istighfar pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour avoir punition aux autres. Donc, Aussi longtemps qu'il nous reste fait istighfar, Allah vous préserve nous depuis ce punition, depuis ce bala. Alors comment nous trouver aujourd'hui, il y a beaucoup de calamités qui descendent. Il est capable au niveau personnel aussi. Il y a une fois, Allah tient nos oreilles. Il y a une fois, nous avons des difficultés pour avoir une action qui nous-mêmes nous fait. Alors nous faisons istighfar, chaque fois nous faisons istighfar tout le temps. Nous faisons istighfar individuellement, collectivement aussi nous faisons libre. Par exemple, istisqa. Faire salat ou istisqa, ça veut dire quand il y a la sécheresse. Dimoun pe mots, animaux, pe mots. Alors, Rasoul Sassalam, qu'il fait? Il amène tout le monde dans une place ouverte, il fait salat ou l'istisqa. Là-dedans, principalement, il y a istighfar, diman Allah, pardon. Quand nous diman Allah, pardon, quand nous faisons istighfar, Allah, il y a voué rahmat, l'onou. Parmi là-dedans, il y a voué la pluie. Donc, un des manques quelque chose qui nous vient faire quand nous trouvons dans la sécheresse, c'est faire istighfar. Comme Allah dit dans le Coran, la parole de Sayyidina Nuh, alayhi salam. قلت استغفروا ربكم مفين جزت فاستغفار زت رب إنه كان غفارا زت رب تلتان لي pardonne même يرسل السماء عليكم مدرارا لي pour avoir la pluie aux autres beaucoup alors ça c'est un exemple tout le temps quand on a difficulté on a problème on a
pression, nous trouver les affaires papé morcé, et il y a quelque chose qui, comment dire, papé tourne rond, difficulté là nous, qui nous fait istighfar. Parmi les affaires qui nous fait, nous faisons beaucoup d'affaires, parmi là-dedans, istighfar. L'autre ayat du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Quand ils ont fait une fahisha, une turpitude, une quelque chose grave, un péché sérieux, un grand péché. Ou ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Ou ça, ils ont fait injustice envers eux-mêmes. Mais nous, l'amad, un de ces grands péchés, le type, ces petits péchés, ذَكَرُوا اللَّهُ. Nous finissons déjà, trouve ça ayat du Coran là. Hein, nous finissons déjà, explique-le. Liban nous réexplique-le encore parce qu'il est extra important. Ben, dis moi qui, je te fais faire péché, je te fais faire injustice envers eux-mêmes, grand péché, petit péché. Qui je te fais? Je te zakarullah, je te mentionne Allah. Hein? L'extra important, c'est à ce moment-là, pas oublier Allah, pas tirer Allah. Satan peut envie faire ça même quand dis moi, il peut faire péché, il peut continuer dans ce péché. S'il peut penser Allah, ça, il peut venir, comment dire, il peut venir casser plaisir là. Ça, mauvais plaisir haram là. Quand il pense Allah, ce plaisir pour gâter. C'est une bonne affaire. Donc, Satan vous mettre sur la tête, non, mais pas pense à Allah, c'était là, pas pense à Allah. Il fait parce que ce plaisir pour gâter là, il peut arrêter de faire sa péché là. Alors, zakarullah, je pense à Allah, je mentionne à Allah. Fastaghfiru li dhunubihim. Et na fa, ça veut dire qu'il vient comme une conséquence. Quand je pense à Allah, là, je fais istighfar pour ce péché que je viens de faire. Je rappelle Allah, je mentionne Allah, je fais Allah suhamd. Pense à Allah ici, veut dire aussi. Faire zikrullah veut dire aussi faire son hamd avec son thana. Faire Allah son tasbih, son tahmid. Après faire istighfar. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Et qui c'est là qui pardonne mon péché excepté Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Et je ne pas continuer à persister dans ce péché. Alors que je connais très bien qui péché, ça, qui n'est pas bon ça. Faire istighfar, après continuer là-dedans. Levin komadian badinaz comment. Imam Ibn Hajar al-Asqalani, par exemple, il explique nous dans ce charh qu'un djimoun lui fait istighfar, après il continue dans ce péché, il refait, il continue dans ce péché. Quand il peut faire istighfar là, il a l'intention pour lui refaire péché là encore. Alors, ça, comment dire, c'est un tala'oub, comment dire, il peut jouer avec istighfar. Que Allah donne nous tawfiq, faire istighfar, tawba sincère, et qu'il fait à nous améliorer, il quitte nos bons péchés qu'il nous peut faire. Nous faisons déjà expliquer encore l'Ola. Donc, nous continuons. Wal ayatu fi al-babi kathiratun ma'louma. Et, comme Imam An-Nawawi dit, ben, ayat dans sa chapitre-là, il est beaucoup et il est bien connu. Alors, hadith 1871. Nous chapitre c'est 371. Nous hadith c'est 1871. Wa anil aghar al-muzani, radiyallahu anhu, rapporté par un sahabi qui appelle Al-Aghar al-Muzani radiyallahu anhu. Il rapportait, il dit Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal ki Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit innahu la yughanu ala qalbi. C'est mon traduit littéralement. Et une fois, le Rasul sallam dit une fois, comment dire, un voile l'homme au l'équerre. Il s'est senti sur l'équerre couvert. La yughanu l'y associé avec ban niaz. Comment dire, quand niaz couvert. Servi sa expression là. Il y a une fois, je me sentis, comment dire, il y a un voile, le moléque, il y a quelque chose qui peut couvrir. Comment dire, il est tellement proche avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Une fois, quand sa proximité là, il a affecté un tigin, il sentit un voile, le moléque. Comment, ben, ulama, explique-nous. La yugatta wa yugasha wa al-muradu bihi as-sahu. Li'annahu, sallallahu alayhi wa sallam, la yazalu fi mazidim min al-dhikr. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps, il reste dans beaucoup de zikr, il est dans conscience Allah, il est dans rappel, il est dans zikrullah, tout le temps, en permanence. Wal qurbati, wa dawami al muraqaba. Tout le temps, il est proche avec Allah et tout le temps, il est dans muraqaba. Fa idha saha an shay'in minha fi ba'd al awqati aw nasi. Dans certains moments, une fois, il a une, comment dire, il diminue quantité. Par exemple, il est occupé avec ce bonnes affaires, dunya, il est occupé avec ban. Comment on dit la négociation avec sa famille. Alors, il senti qui ça. Connaît, nous peut comparer entre bien bon et bien bon là. Mais c'est vraiment un bien bon là, il y a un petit guin moins parce que Rasoul Sallam est occupé avec ben, les autres quelque chose. Alors, dans ce zikrullah, dans sa qualité extraordinaire qu'il design là, il y a un petit guin qui lit pour considérer, sallallahu alayhi wa sallam, lit pour considérer comme un manquement. Pour nous, ce qu'il peut considérer comme manquement là, pour nous, il est déjà unreachable là.
Nous ne croyons jamais que le récit arrive dans ce niveau-là. Mais lui, il considère ça comme un manquement. Pour ça, il dit, je sentis comme un voile. Faut des pas, là, je peux dire ça parce que malheureusement, il est comme ça. Il y a du monde qui traduit ça comme un dire. Rasoul, salam, alors il est dans un raflat. Na'oudou billah. Moi, j'ai dans un raflat. Alors, il est oublié, il est perdu comme ça. Alors, il besoin retourner vers Allah. Non, ça, pour nous, nous servir, on a fait comme ça. Nous ne faisons péché, nous oublions, nous dormons, nous dans raflat, nous dans un moment d'inattention, nous ne pas faire zikrullah pendant une longue bout de temps. Alors, nous sentis, nous aussi pareil, alhamdoulilah, si nous sentis ça, c'est un cadeau, une faveur depuis Allah. Nous sentis, comme on dit, un voile, là, nous retournons vers Allah. Comme ça, il ne faut pas nous décrire pour Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Lui, ce darja bien, bien haute, lui, quand il a un petit, comment dire, descend un tigin, là, il sentit ça comme un manquement. Alors, qu'il disait, moi, je sentis, comment dire, un voile. L'isolé, c'est qui, Imam Ibn Allan, rahmatullahi alayhi, lui, il expliquait. Lui dit qui, هو غيون الأنوار لا غيون أغيار. Sa diminution qui nous peut trouver là, c'est diminution dans mon anwar, dans mon la lumière, pas dans mon niveau qui nous guettait. Hein? Ça c'est Allah subhanahu wa taala, c'est un tajalli spécial qu'il y en a pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là-dedans qu'il y a une diminution, pas dans un niveau qui nous était là. Alors lui dans le maqam al-a'la, ils vivent un, par exemple un moment extraordinaire dans le qurubat, dans ce proximité avec Allah. Là, quand ils comparent ça avec les autres l'état qui est un tigine plus bas, là, ils sentent qu'il y a sa voix là, sallallahu alayhi wa sallam. Là, il dit, « Wa idni, la astaghfirullaha fi al-yawmi mi'ata marra » Et certainement, moi, je fais istighfar, je dis, « Man Allah, istighfar » dans un jour, 100 fois. C'est pas prendre tasbih, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nous faisons ça une fois. Au moins, dans place non, nous faisons ça. Mais lui, ce istighfar, c'est sincèrement, astaghfirullah, lui, dans tout ce meaning qu'il y a. Jamais personne ne peut faire ça plus bien qu'il est. Donc, est-ce qu'il est besoin de faire istighfar 100 fois? Non, il n'est pas besoin. Mais seulement lui, comment on dit, hein, hassanatul abrar, sayyatul muqarrabin, lui, ce niveau qui lit les sentiers, l'une des sannas, il fait istighfar pour les remonter. Peine à pécher, mais istighfar, il fait lit, il donne lit à l'effet là. Alors nous aussi, pareil, tout le temps, nous continuons à faire istighfar. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait pécher du tout, donc il fait istighfar 100 fois. Nous, quantité péché qu'il nous fait, nous t'y besoin faire. Au moins autant que ça, nous t'y besoin faire nous aussi. Prochain hadith, pareil, Rasoul 1872. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رapporté par سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال لجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مفنتان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيا إن والله مفسما والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه ساتنما مفي استغفار avec Allah et وأتوب إليه مغتون ولي مفي توبة في اليوم في توبة غتونة كي بيجي C'est un niveau extraordinaire là, comparé avec ça, l'autre niveau extraordinaire là, qui est un petit qui plus bas, il retourne vers ça, l'autre niveau qui plie haut là. Wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Plus qu'il 70 fois. Et là, ben, l'ulama dit à nous, qui plus qu'il 70 fois, il est capable de dire un kinaya, une expression, pouvait dire beaucoup. Plus qu'il 70, ici, veut dire beaucoup même. Donc, un musulman, il a besoin de faire istighfar. Nous, nous plus besoin de faire istighfar beaucoup même. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin fait ça, fin montrer nous ça, il fin dire nous ça. Donc, il fin établir ça comme une sunnat. Donc, il ne faudrait pas nous manquer tous les jours, nous besoin, il y a un certain nombre de fois quand nous faisons istighfar. Par exemple, après chaque namaz, nous pouvons lire trois fois. Hein? C'est pour ça, encore une fois, on dit qu'il nous lire faux. Astaghfirullah al-azim al-ladhi la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum wa atubu ilayhi. Donc, l'intention là-dedans, parmi ben, l'intention, c'est qui, ben, frère, quand je te gagne ça, je t'apprends à lire, je te lis à lire. Plusieurs fois, moi, je explique ce traduction. Donc, après chaque namaz, nous lis à lire. Nous mine, li, qui, comment dire, nous fait cause avec Allah, nous fait dire qui, moi, dit man Allah, pardon, et me retourne vers lui, me fait taouba vers lui. Donc, il y a ça, après chaque namaz, dans le grand matin, bil ashar, nous fait istighfar. Après Fajr, après Maghrib, nous fait istighfar, les recommander pour lire Sayyid ou l'istighfar. Donc ça, c'est un chapitre qui a plusieurs hadiths là-dedans, Inch'Allah, nous pour lire encore beaucoup de hadiths et au fil et à mesure qui nous avancer dans ce chapitre-là. Et là, nous disons, un tasbih, un sixième, nous fait un certain nombre de fois minimum 100 fois, nous fait tasbih, nous fait istighfar et nous mine-li.
nous garde ça comme un word que tous les jours nous fait. Donc inshallah nous continuons le ban hadith après. Nous faisons droit que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-nous tous nos péchés, il pardonne-nous juste avant qu'il prenne nos roues et il fait qu'il nous retourne vers les purs, il fait qu'il tout le temps nous reste parmi les mustaghfirin et qu'il tout le temps il pardonne-nous et il fait qu'il nous avance, nous rapprocher avec lui. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.